Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite capsule pour une petite explication sur le tarot, la sagesse des anges, qui est un magnifique tarot de Valentine Radlegg. On y retrouve la structure de base, n'est-ce pas, en 5 suites, et les deux sections principales qui sont appelées arcane mineur et arcane majeur, mais ça vous connaissez déjà. Alors, petite question, savez-vous ce que signifie le mot arcane? Eh bien, cela signifie mystère. On parle ici des moyens miraculeux et mystérieux par lesquels, l'univers apporte de la magie dans nos vies, n'est-ce pas? Et les arcanes majeurs forment à eux seuls une suite composée de 22 cartes, où certains appellent aussi des lames et qui se concentrent plutôt sur les événements majeurs de la vie. Et nous avons les arcanes mineurs qui se composent de 4 suites, comme dans le tarot ordinaire, n'est-ce pas? Et les arcanes mineurs ont tendance, à refléter les activités au quotidien de la vie. Traditionnellement, les suites des arcanes mineurs sont appelées bâton, coupe, épée et denier. Ici, Valentine a remplacé les anciens noms par les 4 éléments, c'est-à-dire le feu pour les bâtons, l'eau pour les coupes, l'air pour les épées et la terre pour les deniers. Et chaque suite est composée de 10 cartes numérotées de l'as au 10 et de 4 cartes habillées qui sont évidemment les valets, cavaliers, dames et rois. Et chacune fait référence à une personne, une situation ou bien vous-même, n'est-ce pas? Chaque suite a des domaines particuliers. La suite de feu parle de créativité, de passion et de carrière. Par contre, la suite d'eau est liée, elle, aux émotions et à l'intuition. La suite d'air, elle est pour sa part associée à l'intellect et elle peut également refléter nos inquiétudes et nos peurs. Le mental ayant souvent un esprit tendance à se concentrer sur le négatif, n'est-ce pas? Certains d'entre vous vont se reconnaître. Et enfin, on a la suite de terre qui parle des aspects matériels de l'existence, comme l'état des finances ou les moyens de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de la famille. La particularité de ce tarot est que chaque carte est associée à un archange qui apparaît ou non, n'est-ce pas, sur l'image. Et sur les arcanes mineurs apparaît un numéro qui représente l'arcane majeur du tarot. Voilà cette petite explication. Prenez soin de vous dans la douceur. À tout bientôt. Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes vendredi 12 avril 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors, avant de commencer, petite philosophie de ce matin, n'est-ce pas? Ménager les autres. L'univers dans lequel nous vivons serait plus doux si chacun traitait les autres comme ils aimeraient qu'on le traite. C'est à méditer, n'est-ce pas? Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Aujourd'hui, j'ai pigé l'empereur.
notre bel empereur. Et il représentait notre bel empereur par l'archange Michaël. Alors Michaël est l'archange à appeler quand on se sent en danger, n'est-ce pas? Et il est réputé pour nous protéger et d'aider à calmer les peurs qu'on peut avoir. Michaël est armé, comme on peut le voir sur Internet, d'une grande épée de lumière, eh bien, qu'il utilise pour rompre les liens énergétiques indésirables avec le passé ou avec des personnes que vous avez besoin d'écarter en toute sécurité et avec amour. Alors, si vous manquez de confiance en vous ou si vous avez du mal à définir vos objectifs de vie, eh bien, c'est également lui qu'il faudrait appeler. Ce bel archange Michaël est par ailleurs connu pour aider à réparer les objets cassés, tels que les voitures ou tout autre matériel. Voilà pour l'archange Michaël, notre bel empereur. Alors, notre empereur, qu'est-ce qu'il vient nous dire aujourd'hui? Eh bien, cette carte, elle représente le besoin de communiquer clairement et de formuler, eh bien, des recommandations pour les autres. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire? Eh bien, notre bel empereur, il peut annoncer un changement de statut pour certains d'entre vous, une ascension vers une position de pouvoir. Et si c'est le cas pour certains d'entre vous, alors vous êtes appelés à prendre des décisions impactantes et à vous conduire de façon exemplaire. Il vous faudra aussi également affirmer votre leadership, n'est-ce pas, vos idées ainsi que vos objectifs. Alors, cet arcane, l'empereur, peut également vous renvoyer à vos difficultés face à l'autorité. Elle peut être soit parentale ou hiérarchique. C'est-à-dire que vous avez difficile de vous soumettre à une autorité. Alors, l'empereur, il symbolise aussi le succès au travail. Et pour certains d'entre vous, vous pourriez voir arriver une promotion ou un nouveau projet ou le poste que vous convoitez depuis un certain temps, eh bien, il pourrait vous être proposé. Vous savez, votre talent et vos compétences, eh bien, elles sont reconnues. Vraiment, vous êtes capable, n'est-ce pas, de vous affirmer. De vous affirmer au travail, et vos idées ont plus d'écho, plus d'impact qu'auparavant. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire, n'est-ce pas? Pas du tout, hein? Vous avez travaillé dur jusque maintenant, et il faut continuer sur cette belle lancée. Et ce bel empereur, il vous invite à vous montrer très organisé, à peut-être bien planifier votre travail et vos actions. Il serait peut-être bon aussi d'adopter une approche logique et rationnelle. Mettez votre côté émotionnel et sensible de côté. Ça vous sera salutaire. Alors cette carte, cet arcane, cette lame, peut aussi représenter, eh bien, un manager, une personne d'influence ou un mentor qui a le pouvoir de décision ou une grande influence sur votre travail. Et si cette personne apprécie vos qualités, eh bien, votre carrière et vos projets pourraient bénéficier de son pouvoir décisionnaire et de son soutien. Voilà pour le côté travail, l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans le tarot,
La carte de l'empereur représente le principe masculin, une présence forte et protectrice. Alors, ce bel empereur peut donc représenter une personne capable de s'engager dans une relation solide et durable. Le respect et la confiance mutuelle, seront vraiment de mise, mais les grandes manifestations romantiques ne seront pas son fort. Pour certains d'entre vous qui cherchez l'amour, cet arcane est de bon augure, vraiment. Il y a une personne stable pour qui former un couple est important. Et il pourrait apparaître dans votre vie et vous permettre de construire cette relation que vous désirez. Donc, on vous invite à regarder autour de vous parce que cette personne, elle est sur votre chemin de vie ici terrestre, elle est là. Si vous êtes en couple, ce bel empereur vous ramène à la dynamique de votre couple. Ce bel empereur incarne l'énergie masculine de la façon la plus traditionnelle qui soit, celle qui, qui apporte stabilité, sécurité. Cette énergie, elle est fort utile car elle apporte bien-être et confort, mais elle peut aussi s'avérer parfois un brin autoritaire. Attention de ne pas être trop autoritaire. Est-ce que cette carte parle de vous ou de votre partenaire? Bonne question, n'est-ce pas? Est-ce que votre couple connaît-il une disparité dans son équilibre des forces? Il est possible également qu'une personne soit plus investie que l'autre dans la relation, provoquant là aussi un déséquilibre. Si maintenant vous aimez plus que votre partenaire, ça évidemment est un déséquilibre, ou que votre partenaire vous aime plus que vous ne l'aimez. En tous les cas, l'empereur appelle alors à revenir aux valeurs, n'est-ce pas? Et les projets sur lesquels vous avez fondé votre couple, c'est vraiment important. Et mettre son ego un peu de côté, n'est-ce pas, pour certains d'entre vous. Voilà pour l'empereur. Je termine avec l'affirmation positive. Je me fais confiance en toute situation. Voilà une belle affirmation positive. Je me fais confiance en toute situation. Je me fais confiance en toute situation. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, un très joli week-end. On se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à très vite.